On va retourner voir le camp parce que je sais plus trop ce que je dois faire là. Ça, ça s'active plus. Comme d'habitude, il y a Rex qui reste coincé derrière, tant pis. Ok. Rex est toujours pas revenu. Non. C'est un problème. Tiens, Rex s'est débloqué. Eh bah, c'est bien! Tu vois quand tu veux! Ouais. Pas de raison de rester secret là, je pense que c'est bon. Allez, traçons notre chemin. Qu'est-ce que c'est que c'est? C'est ça qu'on a réactivé? Par contre, je voudrais voir si le transmetteur gate, ça... Ça a débloqué quelque chose ou pas? Je sais plus si ça fait quelque chose. Bon, vous, elle est toujours mal en point, l'autre timbros là. Il me semblait qu'il y en avait une des deux là qui filait une quête, non? Beau boulot, dites donc. Pas fâché que vous vous soyez pointé. Par contre, sans accu, on n'est pas tiré d'affaire. Et si je vous rapportais quelques accumulateurs du Normandie? On doit en avoir en rab. Votre vaisseau, c'est le top du top? Pas comme ce tas de bouse, là. Non, ce sera pas compatible. Si je trouve quelque chose, je vous le ferai savoir. Merci, commandant. C'est sympa. Voilà, je savais bien qu'elle me filait une quête. Toi, t'es toujours trop occupé. L'eau a été rétablie. C'est grâce à vous, j'imagine. Eh ben oui, parce qu'on s'est sorti de l'eau du cul. Il ne nous reste plus qu'à nous occuper des guettes et à reprendre le développement de notre colonie. Tenez, quelques crédits pour vous dédommager. Ouais, quelques, 4480, alors que des fois je risque ma vie, on me file 100 crédits, quoi. Ça va, c'est sympa, merci. C'est cool. Pas le temps de parler. Je dois terminer ce travail. Putain, elle est trop intense, elle. Allez, go! Tiens, si on s'occupait, parce que les guettes, c'est des synthétiques. On va peut-être changer les modes d'armes. Je dois avoir de l'efficace contre du synthétique. C'est quoi ça alors? Ça, c'est pour les cibles organiques, d'accord. Bah voilà! On va équiper ça. Très bien. J'ai pas un petit truc niveau 4? Non.
mais des tirs. Oh, ouais, pas terrible. Non, tu vas garder le dissipateur, c'est mieux pour toi. Voilà, là les cibles organiques, on s'en fout. Souci étant que... Il me reste un tungstène, ça va. Garde le perforant. Et là... J'ai que des modes d'armes pour cible organique, ça va pas être terrible. Et en mode d'armure, j'ai trouvé des trucs tout à l'heure. J'ai pas mieux qu'un accumulateur 2, j'ai un accumulateur 3 déjà. On va prendre le petit accumulateur 3. Rex, on va lui mettre le contendant. Ah, j'ai un cerveau moteur 3. Bon bah voilà, très bien. C'est quoi un buffer cinétique? Foutre un petit... Interface de soins, non. Atténuateur. Voilà, ah, petite trame ionisée pour elle. Elle a quoi d'autre? Elle a d'autres modes? Elle a rien en mode d'arme, elle. Elle a rien du tout, d'accord. T'as rien en mode d'arme. Eh ben ma petite, tu vas équiper le Kessler. On va te mettre ça. Et on va te mettre... Bah en fait je vais lui mettre n'importe quoi parce que les cibles organiques on s'en fout quoi. C'est bien le souci qu'on a là. On va repartir, on va aller prendre l'ascenseur chelou là. Allons-y. Ce que j'aime bien c'est qu'ils étaient super actifs avant qu'on arrive et maintenant ils font plus rien les mecs. Ils attendent qu'on fasse tout à leur place. Allez. Attention! Les éclaireurs, ils vont plus tarder maintenant. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. C'est bon, c'est fini mec, calme-toi. Il était tout seul le truc. Qu'est-ce qui vous arrive? On doit se méfier d'un truc là ou... Ah d'accord. Ok. C'est nous les méchants. Ok. Alors. 6. Le dernier groupe est parti vers le sud. Que cherche-t-il? Nous captons un signal radio.
mais je n'arrive pas à le localiser à cause du brouillage des guettes. Eh, j'ai sauté, c'est pas juste. Bon, le Mako, il va prendre cher. Commandant. Mais je n'arrive toujours pas à le localiser. Vous voyez quelque chose? Right down the middle, oui. Ça ne fait que quelques jours. Je crois que t'essayes encore de bouger, toi. Hein? C'est parti! C'est ma fille. Et j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Ok. Toi, t'es caché derrière la bagnole. Un petit loot. Oui. Ah, je peux pas sauter. Ah, je peux pas sauter. Ah si. Il suffisait que je me retourne. Comment on va en bas là? Par ici. Ok. Caméléon Omnitech. Eh ben ça tombe bien, on n'en avait pas encore. Fusil à pompe, fusil de précision. Alors du coup c'est quoi l'Omnitech? Oui oui, je prends tout, donne. Techno-régénération, d'accord, charge magique, recharge médicale. Rien de bien ouf, rien de bien ouf. Paf, Kessler 1, Nigel. Alors, Hurricane 3, vas-y, équipe. Allez, c'est parti les petits loulous. Coco. Di-di-di-di-di. On va reprendre le Mako. C'est parti. Yo. Ah, c'était un pneu.
Je vois quelque chose. Une sorte de véhicule. Mais ce ne sont pas des guettes. S'ils peuvent nous voir, c'est qu'ils sont tout près d'ici. Oubliez-les. Nous, on doit trouver les guettes. Non, ils sont juste en dessous, là, les gars, au sérieux. On va pas les laisser là. Bonjour! Alors, on fait Stop. Des petites sauteries. Sauteries. Calmez-vous, Jong. Vous voyez bien que ce ne sont pas des guettes. Reculez, Juliana. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je viens de péter la gueule. Commandant Shepard, je suis là pour m'occuper des guettes. Vous voyez? Vous êtes trop méfiant. Et vous passez, Juliana. Moi, je suis soulagée de voir un visage amical. Je pensais que nous étions les derniers survivants sur cette planète. Doit te lâcher des crottes de lapin, ça doit être sympa. Vous n'êtes pas seul. Il y en a d'autres. Faidan et quelques autres colons de Zeus Hope sont toujours en vie. Mais vous aviez dit que tous les autres étaient morts. J'ai dit qu'ils étaient sans doute morts. Ils vivent encore, mais les guettes ont dévasté leur colonie. Oui, ces saloperies de synthétiques sont impitoyables. Je vais faire tout mon possible pour vous protéger, mais j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Un peu plus? Comment ça? Ne l'écoutez pas. Les guettes sont dans le complexe Exogénie, un peu plus loin, le long de l'autoroute. Ce complexe est une propriété privée, soldat. Contentez-vous d'éliminer les guettes. Vos petits secrets ne m'intéressent pas. Commandant, une dernière chose. Ma fille, Lisbeth, elle a disparu. Ne leur faites pas perdre de temps. Nous pourrons compter nos morts une fois les guettes éliminées. C'est de ma fille qu'il s'agit. Elle est toujours en vie, j'en suis sûre. Juliana, où se trouve votre fille? Elle travaillait dans le complexe Exogénie au moment de l'attaque. Absolument. Il y a au moins deux ou trois endroits du complexe où elle aurait pu rester cachée. Enfin, pendant un moment. Si elle est encore là-dedans, je la ramènerai. Merci, commandant. Merci. Qu'est-ce qui a bien pu pousser les guettes à attaquer? Je n'en ai pas la moindre idée. Il n'y a rien d'intéressant ici. Exogénie nous l'a répété assez souvent. Il n'y a rien de personnel. Nous devons juste rentrer dans nos fonds. Restez ici jusqu'à mon retour. Ne bougez surtout pas. D'accord. Et n'oubliez pas, si vous voyez ma fille... Ouais.